Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul action. Comme vous pouvez le constater, je me suis lâchée, le ticket est très long. Donc voilà, il y en a pour un petit moment. Donc on va commencer tout de suite. Donc mon mari, alors ce qu'il y a de bien chez Action, c'est que mon mari il aime bien ce magasin. Il déteste faire les courses, mais Action il aime bien. Donc il s'est acheté 10 lions comme ça en grosse tablette, donc à 3,19 €. Il s'est acheté ensuite des Twix comme ça à 2,85 €. Pareil, montre la taille du truc. Voilà, ils ont vu la taille. Ensuite, on s'est acheté une grille pour le barbecue. Elle est immense, elle est très grande. À 2,79 €. Voilà. Si vous voulez les dimensions, je vais vous les donner. C'est 47 cm de diamètre. Voilà. Ça, je vais le remettre là. Ensuite, les chats qui arrivent. C'est pas vrai, hein. Dès que je fais une vidéo. Ensuite, on s'est acheté des wraps, les grands modèles. Donc, on a pris, il y en a 6 et c'est 1,44 €. Donc, on en a pris 3. Voilà. Donc, ça, je l'avais vu dans une vidéo, je savais pas qui faisait ça et du coup, j'ai cherché, je les ai trouvés. Je crois que c'est Sabine Bimine qui présentait ça. Donc c'est super parce que j'adore ça aussi. Donc voilà. Ensuite, des nouilles chinoises au bœuf. 29 centimes le paquet et au poulet. Donc voilà, j'adore. Donc ça aussi, j'en ai pris plein. Ensuite, j'ai acheté des brochettes de bambou pour faire un DIY. Voilà, donc j'ai acheté 2 paquets. Bon, vous excuserez aussi l'état de mes mains parce qu'en ce moment je jardine énormément. J'ai pas fini de jardiner donc je m'en suis pas du tout occupée. Voilà, j'ai les mains dans un état. Donc ça c'est les trucs de bambou. Est-ce que j'ai donné le prix? 42 centimes. Ensuite, j'ai acheté à 1,99 € ce gros moulin. Je crois que c'est vegan. J'ai vu que c'était aussi pour les vegan peuvent. Mais je l'ai vu écrit quelque part. Je crois que c'était sur l'étiquette. Donc, il y a plein d'épices, plein de sel. Et il existe aussi en sel, vous savez, le gros sel rose là. Sel de je ne sais plus quoi, je m'en souviens plus. Donc, ça, c'est 1,99 €. Mégane Moulin, ouais, bon, Méga Moulin. Ensuite, les éponges à 52 centimes. Les éponges à récurer pour la vaisselle. Bon, il y en avait aussi en couleur, mais plus petites. Donc, bah, ça ne m'intéressait pas. Hein, voilà. Et il y en a aussi des plus grosses. Ah, les housses de coussin. Ok. Bon, elles sont pas top. Moi, je voulais des noires hein, ou des grises anthracites. Mais j'ai pas trouvé. Donc, c'est tout doux. La matière est très douce. Et moi, c'est pour mes chats. Je mets ça sur des coussins. Et c'est très vite nettoyé. Ça se nettoie très facilement. Vous mouillez vos mains et vous passez comme ça. Et chut, tous les poils s'en vont. C'est nickel. Donc, c'est en flanelle polie. Ils font 45 cm sur 45 et c'est 2,29 € l'unité. Donc j'ai pris un espèce de bleu là, bleu gris et un turquoise clair. Voilà. Il y avait vieux rose, mais je trouvais qu'il était moche le vieux rose. Et puis il y avait un espèce de beige, mais bon, je prends pas du beige pour mes chats.
Ensuite, j'ai acheté de la pâte de curry. Ça, c'est pour cuisiner. Vous rajoutez à ça du... Mince. Ah, les briques de coco, là. Du lait de coco. Ou vous faites ça au wok. Revenir avec... voilà. Donc, c'est curry vert, curry jaune et curry rouge. Le curry vert, moi, j'adore le curry vert. Par contre, ça arrache. Je vous dis tout de suite, c'est très, très fort, le curry vert. Donc voilà, c'est trois petites sauces comme ça. Et j'ai payé ça 1,99€. Ensuite, mon mari a acheté des roulettes comme ça pour mettre. Il va fixer une plaque dessus, c'est pour déplacer quelque chose de très lourd. Donc elles ont l'air de bonne qualité, très solides. Donc ça, c'est des fixes. Non, elle tourne celle-là. Ah non, celle-là, elle tourne. Voilà, le plateau tourne. Et elles font 2,38. Et il a acheté aussi des fixes. Les fixes, elles sont à 1,90. Voilà, ça, c'est les fixes. Un 90 et 2,38, celles qui ont le plateau qui tourne au-dessus. Voilà. Ensuite, on a acheté des couteaux à enduire. Ce qu'ils appellent des couteaux à enduire, moi j'appelle ça des spatules. Elles sont là à 1,36 €. Voilà. Bon, je les ouvre pas. Hein. Je pense que les bricoleurs et les bricoleuses savent exactement ce que c'est. Voilà, et pour le prix, on ne s'est pas privé. Ensuite, j'ai acheté des fards à paupières à 98 centimes l'unité. Donc, j'ai pris. Les bleus. J'ai pris pas mal de petites choses, différentes choses, parce que je pense faire un concours un de ces jours. Et je ferai deux gros lots. Un lot beauté et un lot pour tout ce qui est loisirs créatifs, parce que j'ai différentes personnes sur ma chaîne, et comme je fais le concours pour elles. Il y a des youtubeuses, enfin il y a des gens qui regardent plus les trucs beauté, les hauls, et d'autres tout ce qui est plus bricolage et tout ça. J'ai des scrapeuses, j'ai des fimoteuses, j'ai un peu de tout, j'ai des filles qui font des hauls aussi. Donc voilà, je ferai voilà. Et puis j'ai quelques messieurs, bah écoutez, vous pourrez participer au concours et offrir à votre femme, conjointe, sœur, etc. Voilà, je pense pas faire un lot spécialement homme parce que je ne saurais pas trop quoi vous mettre dedans. Après, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc là, j'ai dit bleu. Donc celui-là, il est dans les nudes marron. C'est pour plus faire des maquillages très discrets. Donc voilà. Et celui-ci, il est plus pour les yeux bleus parce qu'il y a du vert et des marrons, du marron. Voilà. Donc moi, je vais me garder celle-là pour moi et les deux autres iront dans le lot. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis? Ça y est, je suis pareil, je suis perdue. Voilà. Ensuite, des boîtes de loisirs créatifs à 2,29 €. Ça va être. Est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, 2,29 €. Et elle est recto verso. Je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, je ne l'ai pas testé. Je vous dirai, je compte mettre toutes mes chaînes, tous mes apprêts dedans. Voilà. Voyez. Voilà. Recto verso.
Bon, pour le prix, je me suis dit, autant me laisser tenter. Hein. Ensuite, j'ai pris une autre boîte de rangement. Donc, ça, elle a été à 2,39€. Et l'autre boîte de rangement ouvrage à 3,19€. C'est... J'ai tellement de choses que... Celle-ci. Donc, 3,19€. Ça fait un peu style caisse à outils. Vous voyez, ça se déplie. Alors, je vais d'une main, c'est pas très pratique. Bon, vous voyez le principe, ça se déplie. Vous avez des compartiments. Et moi, ça sera, je rangerai tous mes outils là en dessous parce que il y a toujours un. Ils sont tous éparpillés un peu partout. À chaque fois, je galère pour les retrouver. Donc voilà, ça c'était 3,19€. Donc je remets. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Obi Punch, c'est quoi ça, Obi Punch? Ah si, c'est ça. Obi Punch, à 79 centimes, c'est un truc pour faire des post-it. Et vous avez ma Wii qui passe. Bon, dépêche-toi. Voilà, un de mes chats. Pas des post-it, hein. Pour faire des... Pas des post-it, des... Je m'as dit des confettis. Des confettis, voilà, pardon. Et là, c'est un petit palmier. Et ça aussi, ça ira dans l'eau. Donc voilà. Il y en avait d'autres. Il y avait des ballons, des bouches. Ouais, ils changent régulièrement hein, leur truc là, leur je sais pas comment on appelle ça. Enfin, je me souviens plus, mais enfin bon, vous voyez ce que c'est quoi. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc j'avais déjà acheté ça. Donc ils sont chiants là à passer hein. Et ça c'était Frimousse. Donc, c'est des petits pompons et il y a différentes tailles. Il y a des petits, des grands, c'est pour faire des petites figurines, des petits animaux, comme sur le petit dessin, là, vous voyez, dans l'angle. Voilà. Mais vous pouvez aussi incorporer ça à des colliers, des... Enfin, voilà, vous pouvez en faire plein de choses. Donc, j'en avais pris déjà des noirs la dernière fois. Là, j'ai pris chocolat et j'ai pris ce joli gris aussi. Voilà. Donc ça, j'ai... Oui, s'il te plaît. Et donc ça, j'ai dit que c'était 79 centimes. Arrête, s'il te plaît. C'est le minou. Arrête. Allez. Il n'y a que toi que ça affiche. Qu'est-ce que j'ai acheté, ça? Eh bien, je sais pas, cadré. Ah si, c'est peut-être ça. Donc ça, c'est à 60 centimes pièce. Ouais, c'est du coton. Voilà. Donc pour faire, là aussi, je devrais faire un DIY avec ça. Donc j'ai pris deux couleurs différentes, 60 centimes pièce. 69 centimes quand même. Ensuite, ah ouais, un truc que j'ai trouvé super, j'espère qu'il marchera parce que c'était vraiment pas cher pour le prix. 3,99€, c'est une raclette. Donc vous avez le côté fibre. Vous avez pour mettre le produit ou l'eau. Ou le produit que vous aurez fabriqué pour celles qui sont écologiques. Et la raclette de l'autre côté. Donc voilà, j'ai trouvé ça génial pour 3,99€. Je me suis dit,
on va tester ça. Ensuite, j'ai acheté des petits sachets de conservation à 69 centimes. Voilà. Bah, c'est pour me faire les sachets de congélation à mettre au congélateur. Ensuite, j'ai... Enfin, c'est mon mari qui a mis ça dans le panier. Mais je pense qu'il va pas tout seul à en manger. Il a acheté des bananes au chocolat. Vous savez, c'est les bonbons bananes. C'est pour toi que je l'ai mis. Ah, c'est pour moi que tu l'as mis. Non, c'était pour moi. Alors, si c'est pour moi, je vais en goûter un tout de suite. Je vais vous dire si c'est bon ou pas. Il a acheté des oranges aussi, pareil. Ça ressemble pas à la banane. C'est ça. Ouais. C'est pas mauvais. C'est très chimique par contre, au niveau du goût. Donc voilà, les bananes, il a acheté. Enfin, il a mis. Et les petites orangettes. Et donc, ça, c'était 89 centimes. Ouais, 89 centimes. Ensuite, moi, je me suis acheté des pinces comme ça à cheveux. À 1,05€ pièce. Je les enlève du papier pour les refler, comme ça vous verrez bien mieux. Je vais en ouvrir une. Non, je vais ouvrir celle-là qui me plaît. Voilà, donc une comme ça. Donc 1,05€. Une autre léopard. Tu le mets là ? Ouais, merci. Une comme ça. Et une un peu écaille de serpent gris dans les gris gris noir blanc. Voilà. Alors ensuite, les pinces à cheveux, autocollant vintage DIY. Voilà, ça doit être ceux-là. Ils sont à 95 centimes. Je sais pas en quoi c'est. Je sais pas si c'est du plastique ou de l'alu. Non, je vais pas ouvrir parce que ça va aller dans un colis. Quoique, on a déjà un qui s'est décollé là. Le strass s'est décollé. Bon, ça c'était 95 centimes. Ensuite, à 55 centimes, les éventails là, comme ça, les petits ronds en éventail en papier. Donc ça c'est des... Je considère ça comme des embellissements. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des ciseaux de couture. Alors, j'espère que c'est des véritables ciseaux de couture. À 1,99€. Donc, 2€. Franchement, s'ils fonctionnent bien, ça vaut le coup. Papier hygiénique humide. Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai pris ça pour mettre dans mes toilettes. 0,79 centimes. Donc, ça, c'est du papier hygiénique humide.
Voilà, on fait la grosse commission. Ensuite, décotine feuille autocollante relief. Ça doit être ça. Donc ça, j'en avais déjà acheté. Donc c'est des feuilles, c'est des autocollants. Voilà, et ça sert d'embellissement. Voilà, moi j'avais expliqué ce que j'allais faire avec, que je n'ai toujours pas fait avec les autres. Je vais recustomiser des bouteilles pour la sangria et le punch. Voilà. Bon, bien sûr, c'est pas ça que je mettrai dessus, mais bon, ceux-là, ils me plaisaient bien, les petits oiseaux, donc je les ai repris. Voilà. Donc ça, j'ai dit que c'était 99 centimes. Ah. Après, j'ai pris autre chose. Alors, je sais pas ce que ça vaut. J'ai pris ça, et donc, dedans, vous avez les plantes. Vous avez 5 plantes pour faire des tisanes aromatiques. Et vous avez et le terreau et les petites graines. Et c'est vraiment pas cher. C'était 79 centimes le paquet. Bah, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Vous avez la lavande, la menthe, la camomille. L'anis. Ah oui, je vois que c'est écrit en français. L'aneth. Donc, j'ai dit lavande, la camomille et la menthe. Voilà. Et j'ai aussi pris en légumes. Donc, voilà. Et en légumes, j'ai de la tomate, de la salade iceberg, concombre, piment et poivron. Voilà. Et c'était 79 centimes chacun. Voilà. Donc, ça, c'était pas mal. Ensuite, ah oui, la pompe. Alors, mon mari s'est pris une super pompe à vélo. Enfin, une super pompe. Oui. C'est à vélo, hein? Oui, oui, à vélo. Ouais. Montre-moi le manomètre. Oui, je vais montrer ton manomètre. Donc, c'est une pompe comme ça. Alors, vous allez rien voir. Oui, je sais qu'il n'y a rien. Donc, vous voyez, c'est une pompe à pied comme ça. Hop. Et vous avez le manomètre. Et mon mari, il dit que c'est super. Parce qu'on peut régler la pression comme on veut du pneu. Voilà. Donc, ça fait combien de haut? Ça fait 70 cm, ça, de haut. Facile. Ouais, ça fait 70 cm de haut, le truc, là. En deux coups, t'as gonflé la roue. Voilà, il dit qu'en deux coups, il a gonflé sa roue. Donc, voilà. Et ça, j'ai pas dit le prix de ça. Bon, attends. Je remets ma caméra correctement. 6,90 €. Ensuite, on s'est acheté 2 câbles anti-vol pour vélo. Donc, un rose, forcément, pour moi, hein, pour les filles, le rose. Non, c'est pour toi le rose, en fait. Ouais. Et moi le noir. Et un noir, mon mari s'est pris un noir. Donc, voilà. Tu aurais voulu dans cette couleur? Non, j'aime bien le rose. Donc, bon, je ne sais pas, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais bon. Oh ben c'est un câble en acier à l'intérieur. Hein. Voilà, bon, avec une tenaille, ça prend 20 minutes à découper. Mon mari dit que ça prend 20 minutes si on veut le découper à la tenaille. Mais... je n'ai pas essayé, donc bon. Moi j'ai essayé. Et les câbles, ils faisaient 2,99 €. Voilà. Ensuite, je me suis acheté un spray démêlant pour mes cheveux longs. Donc il est aux protéines de soie. Et à la provitamine B5. Après, je n'ai pas regardé s'il y avait des produits chimiques ou pas dedans. Ouais, il y en a. Phénoïéthanol.
hydrogénatète. Bref, il y a pas mal de. Je pense qu'il y a des cochonneries dedans. Mais bon, j'ai vu que certaines youtubeuses beauté l'utilisaient. Elles disaient qu'il était génial pour démêler les cheveux. Et comme moi j'ai les cheveux très longs, parfois je galère un peu. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est les chips de mon mari. Il s'est acheté ça. Donc il a pris 4 paquets à 69 centimes. C'est des chips au paprika. Je vais re-régler ma caméra un peu mieux. Voilà. Les chips au paprika. Ensuite, ah oui, j'ai pris des bougies. Donc je me suis laissée tenter parce que j'ai vu que Sabine Bibine était dingue de ses bougies et elle garantissait qu'elle faisait bien leur job, à savoir bien parfumer la pièce, etc. Donc j'ai pris vanille. Ça faisait longtemps que je les voyais, je me disais je les prends, je les prends pas. Et voilà, et j'ai suivi ton conseil, tu vois, j'ai pris aussi fraîche coton. Et c'est. Voilà, ça sent très très frais, ça sent vraiment le propre. Ça, le coton, voilà. Et vanille, mon mari adore la vanille, donc voilà. Donc ces petites bougies, il y en a 8 par paquet, c'est à 1,79 €. Ensuite, j'ai acheté un rouleau de tissu organza. Il y avait plein d'autres couleurs, j'ai pris noir. Voilà. Ça fait un peu le voile comme ça. Voilà. Vous en avez des plus petits, donc le rouleau, moi j'ai pris celui-ci. Vous avez différentes tailles, différents coloris. Et donc ceci, je l'ai payé 95 centimes. Ensuite, j'ai repris un sucrier, alors ils appellent ça un sucrier, à 99 centimes. Donc je vais l'ouvrir. Moi je m'en sers de bonbonnière pour mettre mes cotons, parce que je les trouve à la limite plus jolis que les autres bonbonnières. Et c'est mo et moins cher. Donc voilà, c'est en verre. Hop. Voilà, 99 centimes, franchement. Bon. Après les autres bonbonnières, je crois qu'elles sont dans les 2 euros. Alors, où j'en suis dans mon ticket? Sucrier. Puro food. Ah oui, j'ai pris des graines de chia. Voilà, des graines de chia, c'est ça. Et j'ai vu une vidéo ASMR de petite elfe. Et elle parle des graines de chia. Donc du coup, tu vois, je me laisse tenter. Je vais voir. Anna, regarde. Je finis. Il y a mon mari qui est en train de jouer avec sa pompe. Et le chat, il est prêt à attaquer. Il lui envoie de l'air dessus. Bref, ensuite on a acheté une brosse à inox pour mettre dans les toilettes, vous savez, la brosse et la brosse, ce truc là. Donc voilà, tout simple. Vous avez la brosse dedans. Super. Donc pour le prix, voilà. Après, quand c'est déglingué, on jette et puis voilà. Ah, les stylos. Où est-ce qu'ils sont les stylos? Ils sont là. Donc ensuite, on s'est pris des jolis petits stylos à billes comme ça. Je vais ouvrir. Bon, il y en avait d'autres, hein, des moins. Au même prix, des moins. Moins joli, plus classique.
Et du coup, moi, je voulais des comme ça. Voilà. Donc, il y a rose, vert, rouge et gris. Est-ce qu'ils écrivent? Quand même le but. Ouais, ça écrit. Voilà. Donc, ces petits stylos à billes, j'ai dit qu'ils étaient à 99 centimes. Ah, je me suis trompée tout à l'heure. Pour les fils à broder, ils étaient à 75 centimes, je l'ai dit. Non, je ne l'ai pas dit. Ça, c'était 75 centimes. Hein. Je ne sais pas quel prix je vous l'ai dit. Je crois que c'était pareil. Fil à broder, je me suis trompée. Ensuite, mon mari s'est acheté un petit annuaire téléphonique. On va l'ouvrir et puis on va le donner. Oui, on va l'ouvrir et te le donner. Ça met du temps pour l'ouvrir. Il suffit. Donc voilà. Pour écrire ses codes et tout ça. Et là, ça fait imitation cuir un peu le dessus. Donc voilà. Donc ça, il l'a payé, j'ai dit, 85 centimes. Moi ensuite, je me suis racheté des chouchous pour les cheveux. Pour m'attacher les cheveux. Voilà, ça ne me les abîme pas. Donc j'ai pris un espèce de vert pas terrible et un bleu, voilà. Ensuite, on a acheté des piles à 3,49 €. Donc des petites comme ça et des toutes petites pour mettre dans la télécommande. Donc c'est 3,49 € chaque. Voilà, il y en a 16 dedans. Et du coup, là où je m'étais trompée de prix tout à l'heure, c'était pour, ça devait être pour les plaques. C'était pour ça. Donc elles étaient aussi à 75 centimes. Et je vais vous les montrer. Donc je pense que c'est des plaques de stamping. Voilà, donc j'ai pris ça. Je crois que c'est pour les scrapeuses, ça surtout. J'ai pris celle-ci avec la tour Eiffel. Et je sais que normalement, ça vaut cher dans le commerce. Donc, voilà, ça ira dans mes colis cadeaux concours. Et là, le colibri. Enfin, non, c'est quoi? Un rouge-gorge. Voilà, il y a des petites fleurs. Et donc ça, pareil, c'était dans les 75 centimes. Je crois que j'ai on a tout vu. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.